formellement installé sur la nouvelle BMW R1200RT que nous allons prendre connaissance des changements opérés sur ce modèle phare de la gamme BM. En effet, elle reprend le nouveau moteur à refroidissement RO étrenné sur la R1200GS, ce qui a entraîné une refonte complète de la moto. La transmission est donc dorénavant à gauche, toujours par cardan, et le pot à droite, contrairement à ce que l'on retrouvait avant sur les BM. On retrouve également un avant repompé sur les grosses routières de la marque, histoire d'apporter un supplément de protection. À l'intérieur de la moto, puisqu'on se trouve véritablement encastré dans la moto, on a surtout des nouveaux déflecteurs au niveau des cylindres, ce qui permet d'évacuer à la fois la chaleur et d'apporter un meilleur refroidissement. Cette BMW R1200RT peut bien entendu être bardé d'options, au nombre desquelles un shifter, un passage de vitesse rapide sans débrayer. Pour le reste, eh bien, nouveau système stéréo, nouvelle instrumentation avec un écran digital central LCD de 5,7 pouces de diagonale, permettant de naviguer très simplement entre toutes les fonctions affichées. On appréciera également la possibilité de changer de mode de conduite, lequel permet de varier les réglages moteur et la réaction, ainsi que d'apporter une certaine touche de sportivité si l'on a opté pour le pack sport. La bulle, enfin, a été revue également. Elle est de forme plus protectrice et toujours aussi rapide à se relever. BMW promet cette nouvelle R1200RT beaucoup plus maniable, également plus agile. Il nous tarde donc de pouvoir tester cette moto sur la route et voir ce qu'elle nous offre à présent.